continue avec notre René Pierre. On s'occupe de la caisse comme prévu. J'ai préparé les morceaux de contreplaqué pour les parties manquantes de la caisse. On va les assembler, on va reconstituer la caisse. Et puis c'est parti, on y va. Voilà, donc on a les deux parties. La partie ancienne que j'ai reponcée. Enfin, c'est pas terminé, mais bon, j'ai dégrossi. Et là, les morceaux que j'ai préparés pour reconstituer la caisse. Je vous ai préparé les plans. Si ça vous intéresse, vous les trouverez sous la vidéo, dans la partie explication, où je mets tous les commentaires habituellement sous la vidéo. Voilà. Allez, on y va, on va assembler ça. Bon, je vous fais un petit plan intermédiaire, c'est le collage. Donc on se retrouve un petit peu plus tard, quand on aura démonté tout ça. Là, il y avait pas mal de boulot parce qu'on avait pas mal de colle encore. Et toute la colle formica qui reste, qu'il faut poncer, qui est bien dure. Et ça demande pas mal de boulot. Donc on va y arriver. On va faire un pré-montage pour voir ce que ça donne. On va finir la caisse. S'aligner, ce serait mieux. Voilà, je vous fais une petite vue de ce que ça donne. Voilà, histoire de s'encourager un petit peu. Bon, on va redémonter, on va faire les côtés. Donc voilà, on a fait un pré-montage. Ça permet de voir ce que ça va donner. Donc ça commence à ressembler à un babi. Donc maintenant on va tout démonter.
On va boucher les trous, on va tout préparer pour le montage définitif. Allez, on continue. Bon bah je vous propose de faire une pause, de faire une coupure ici, sur ça on va se retrouver avec une vidéo assez monstrueuse, assez longue. Donc là on a vu, on a reconstitué la caisse, on a fait le pré-montage, donc on voit ce que ça donne, donc ça fonctionne pas mal. Donc on s'arrête là et on se retrouve pour la suite, une prochaine vidéo donc, où on fera toute la préparation. On fera le rebouchage, tous les rebouchages, la finition et le montage définitif. Donc merci, à bientôt et n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous en avez sous la vidéo. Bye.